Cette semaine, on est à Mourmansk, la première ville russe du voyage. C'est une ville importante, c'est la plus grande ville de l'Arctique en termes d'habitants, en termes d'activités, en termes de commerce. D'ailleurs, il y a un port gigantesque ici à Mourmansk et qui transite un paquet de minerais, de nickel, de fer, de charbon, etc. toute l'année, même l'hiver. En été, quand le jour ne s'arrête pas, c'est sans arrêt H24 que ça tourne le port. Et voilà, on est à Mourmansk parce qu'il faut rentrer en Russie, faire la clearance comme on dit, et pour que le bateau soit vérifié, que les tampons soient tamponnés et que l'administration russe passe en revue le bateau. C'est important cette escale parce que c'est l'endroit où on rentre en Russie. Il faut toujours pouvoir réagir assez vite à ce qu'on nous demande parce que parfois il nous manque un papier, il manque des documents, il manque une demande qu'on n'a pas faite, qu'on n'aurait pas oublié de faire. En l'occurrence, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. C'est aussi le fruit d'un long travail depuis maintenant 9 mois hein, avec la Fédération de Russie pour préparer cette collaboration, pour préparer le passage du bateau, pour tous les permis, etc. Et donc, c'était important de venir ici, en tout cas pour moi, de rencontrer les gens avec qui on parle depuis longtemps et de s'assurer que tout est en règle et tout est comme il faut. Là, on aborde le vif du sujet, c'est-à-dire qu'on arrive dans l'Arctique, véritablement. On va prendre le premier passage de l'Arctique, qui est la route maritime du Nord, qui donc passe au nord de la Sibérie, de la Russie, entre maintenant et début septembre. Et cette route, finalement, elle part d'ici, elle commence ici. Et le bateau Tara sera suivi, en tout cas, devoir rendre des comptes tous les jours à l'administration russe pour ce passage, pour la sécurité du bateau, pour la sécurité des bateaux alentour, pour la bonne organisation des interventions de brise-glace s'il y a besoin pour Tara. J'espère qu'il n'y en aura pas besoin. Donc voilà, tout est important de venir ici. Il y aura d'autres escales, hein. Tout le moment ce n'est pas la seule. Il y aura une escale à Doudinka, une escale à Pévec, dans le fin fond de la Russie. N'empêche que la glace est toujours là, on garde les cartes de glace ce matin encore et dans 10 jours on est devant la glace et il y a un mur de glace et on doit attendre que ça fonde. Ça fond très vite en ce moment, ça fond très vite en mois de juillet en général. Et donc on va essayer de mesurer cette fonte et de prendre des mesures dans l'eau au moment où la glace se retire.